Antoine Mordac, je suis chef de la division nationale de lutte contre le hooliganisme en France et j'étais auparavant responsable de la sécurité de l'Euro 2016 de football. J'ai participé à ce troisième groupe d'experts du projet Stadia Interpol à Doha, qui a été une occasion très intéressante de partager les expériences, de découvrir les présentations de policiers du monde entier, de responsables également de sociétés de sécurité privée, pour aborder le sujet de l'emploi de la sécurité privée dans les stades. Donc la confrontation des expériences, des projets, était quelque chose de très intéressant, qui a permis d'échanger aussi, et d'échanger avec nos partenaires qataris qui préparent la Coupe du Monde 2022, avec un grand enjeu sur la sécurité, et notamment sur le recours à la sécurité privée. Donc ça a été 3 jours extrêmement intenses, extrêmement intéressants pour tous. Et je crois qu'il y a beaucoup de bonnes pratiques et de bonnes choses qui ont pu être dites et qui ont pu être partagées au cours de cette session.